Plop tout le monde, c'est Gotaï, mais on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Ossa XP. Toujours avec mon Ossa au level 23, j'ai pas bougé. Moi si, j'ai bougé. J'ai bougé en théorie. Parce que j'étais là-bas au début de la vie. Tout à l'heure quand je t'écoute, j'étais là-bas. Maintenant je suis ici. Donc j'espère que vous allez bien. Donc bah moi ça va super bien. Je tourne cet épisode quasiment à la suite du premier. Donc je n'ai pas pu tenir compte de vos commentaires. Donc voilà, donc nous sommes repartis pour une petite session pour XP avec Los Amodas. Donc c'est parti, cette fois j'ai le level, donc nous allons partir au donjon d'incarnable pour le full succès. J'espère que je réussirai à passer, ça m'étonnerait, mais je vais essayer. Donc c'est parti. Seront incarnables. Donc c'est parti mon kiki. Donc allez go. Alors. Donc nous étions quittés avec mes 144 de sagesse, mes deux invos tofu et bouffetou au niveau 5. Ce qui est déjà pas mal du tout, faut dire. C'est déjà ouais quand même bien avancé. Donc voilà, c'est parti. Du coup, je pense que je vais faire une courte ellipse juste le temps d'arriver au donjon. Ok, chouchou tout le monde. Re tout le monde, voilà, ça y est, je suis au donjon de l'incarnable. Donc c'est parti. Voilà. Je vais essayer de faire le zombie le premier. Mais le problème, c'est qu'avec mes invos, elles sont tellement stupides qu'à moi aller voir ailleurs si j'y suis. Donc éventuellement, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait que je joue que au boutou. Face au mili-mili. Ouais. Ce sera la seule truc possible. Alors. Petite scrig. Oh, facile ça, ouais. Allez, petit tofu. Oh, ça lag un peu parce que je suis en train de faire le montage de l'autre vidéo. Même ça lag salement si vous voulez savoir de mon côté, j'espère que ça va pas trop se voir sur la vidéo. Génial, mais vous êtes... Faut mieux pas parler dans ce cas. Ils sont cons, mais c'est pas possible quoi. Ils auraient pu le tuer, c'est au fou. Mais non. Donc c'est parti. Donc je vous envoie un petit bouffetou. Pendant ce temps je me fais ma bénédiction animale. Moi. Ah il est mort? Ah non. Ah si il est mort. Ok bah one shot. Je l'aime bien mon bouffetou. 122 PV quand même hein. Quel goyou, je vous jure, quoi. Donc voilà, vive la bénédiction animale, j'ai dit, moi. Voilà, hop. Hop. Mais non, au lieu de tuer, non. Il... Faut même pas chercher à comprendre, des fois. Parce qu'on se ferait mal au crâne. Donc voilà. 16 000, ah, quand même, non? 18 000, non, je up là? Ah, je up normalement. Normalement, je up. PV quand même. Ah ouais, et il déconne pas le bouffe tout là. Bah
C'est pas grave, j'aurais au moins main propre. C'est déjà mieux que rien, on va dire main propre. Mon petit bouffetou qui se fait lamentablement dégager. Voilà, donc c'est parti, allez. Meurt le sanglier. Ouh, Schaffer a pris cher. Ouais, bah voilà. Ça c'est le combo limite parfait, on va dire. Il y a le tank ici. Et il y a les attaques rapides. Génial, Jep. Donc bah pareil, on continue, sagesse, vous connaissez la routine. Hein. Donc là, ça sera un PM. Donc le PM qui fait généralement un peu chier son monde. Tant que le Bilbilou sera pas mort, je pourrais pas invoquer de tofu. Mais en revanche, rien ne m'empêche de commencer les mobs. Oh non, 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 non. Oh, ça pue la merde. Bah voilà. Bon, moi si j'ai zombies, déjà ça sera bien. J'espère pouvoir avoir zombies. Oui. Il a pris cher. Donc, va aider ton pote là-bas, toi. Voilà, ça c'est fait. J'envoie le gros pâté de tank là. C'est parti. Au cas où il mourrait pas à ce tour. Ouais, si, il est mort, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu comme succès? Zombie, ouais, voilà, j'ai pas obtenu premier, mais j'ai 25, ouais, donc. Bah, je suis niveau 28, hein, déjà. Hein. Ouf. Oh, gros lag. Donc, voilà, alors. J'ai 7 points. Ouais, bon, on commence à monter. Piqûre motivante. Interrupteur lance tous les tours, ouais c'est bon. Donc je rejoins la sortie. Et bah c'est parti. Je vais chercher des groupes de Pew, des trucs comme ça à Strub. Donc pas bah, la plupart de cet épisode se fera en accéléré. Voilà, je pense ouais ça sera une bonne partie. À chaque level je vous mettrai. Je vous aurai une surprise, voilà. Donc, bah, je vais à Strub. Mais juste avant, j'aimerais faire quelque chose. J'ai combien de Kama? Normalement, c'est jouable. Ouais, normalement, c'est jouable. Je vais vous montrer comment aussi passer de level très rapidement. Juste avec des succès d'exploration.
combien de succès déjà là? Allez, allez, allez. J'ai une heure pour 65, ouais. Il m'en faut encore un peu. S'envoler vers Strub, insister pour aller à Strub. Voilà, alors. Ouf. Vous savez quoi, je pense que je vais faire une pause en attendant que le rendu se fasse pour être que ça lag autant. Sur ce, je vous dis à tout de suite les amis. Re tout le monde, c'est toujours Gotay, mais voilà, ça y est, le rendu vient de se finir, ça a mis 2 minutes. Hein. Voilà, donc c'est parti, je vais partir pour le zap. Il y a vraiment des gros groupes de pioux là qui valent même pas le coup quoi. Regardez, regardez derrière là. Reviens derrière toi. Regardez. Là je prends 48 000. Là ils sont que 2, je prends. Je prends 30 000. Donc bah. Dans l'ordre croissant. Alors on a niveau 11, niveau 13. Déplacement félin, toi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils sont crétins, c'est pas possible. Putain. Vive la crétinté des. Des invocations des Osamodas, hein, je dis, moi. Ah, voilà, je suis passé niveau 29, hein. Donc voilà, du coup je pense que cet épisode se terminera lorsque je serai level 40. Ouais, 40. Mais pour ça, alors. On va juste passer à la banque, encore une fois. Et oui, je passe beaucoup à la banque dans cette série. Ça sera au moins une fois par épisode, rassurez-vous. Donc, on lui parle. Ouais, 953, comment ça fait mal, hein. Perco. Oula, il y a du truc là, attendez. Fugitif, non, ouais, il y a une Billy ici. Ouais, elle est déjà complètement pourri quoi. La ceinture Fulgu. Tofu Royal. Ouais, pff, attendez, je regarde juste. Ah tiens, ouais, il y a un peu. Donc on va se prendre 100 000. Voilà. Donc, ensuite, nous allons monter de 2 maps. Acheter 3 potions. Voilà. Vous devez savoir c'est quoi les potions que je vais acheter d'après vous, ça va être quoi? Une potion de cité de chaque. Ponta, ça va. Ensuite on a. Bien sûr, oui. Brakmar. Et enfin la potion de rappel. Et voilà. Mais rassurez-vous, ces potions seront totalement remboursées juste après. Dès que j'aurai fini ça. Attendez, hop, ajoutez à mes ennemis parce que les bots comme ça là, moi ça me. Voilà, je sauvegarde. Donc, on commence par laquelle? Allez, on commence par Brakmar une fois. Voilà, donc, pas très dur. Tout ce que vous avez à faire, c'est des coups. Allez, partout. Donc c'est parti, on est au centre-ville, donc. Alchimiste. Bijoutier. Boucher-chasseur. Boucher-chasseur, on monte d'une map. Ensuite, on clique sur la petite échelle qui se trouve ici, là. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. On essaie de remonter sans se faire aggro. Voilà, génial. Et vous allez voir, l'XP va monter à une vitesse. Là, ça va être alarmant. Donc, on n'a pas fait boulanger, c'est parti. Boulanger.
cordonnier. Bricoleur. Ouais, j'ai pas fait bricoleur, donc go bricoleur. Hein. Go bricoleur. Ensuite, on a forgeron. Non, enfin, une petite... On va faire une petite halte. Non, c'est pas là. Forgeron. Mineur. Poissonnier pêcheur. Sculpteur. Ensuite, on a l'HDV des animaux à ne pas oublier. Ensuite, on va passer au bijoutier. Regardez, 2-3 trucs. Non, c'est pas ça. C'est des annonces de Sigmel que je regardais. Oh, je prends celle-là. Voilà. Ensuite, on a la brochette à prendre. Ah, donc, regardez, j'ai pas trop pourri. Celle-là m'a l'air bien. Voilà. Donc, déjà, on va augmenter un peu notre sagesse. On met une annonce email sur chaque doigt. Ce qui nous fait monter quand même à plus de 211 de sagesse pour l'instant. Ensuite, on va aller à l'HDV des forgerons. Donc, on va regarder pour la Hagrid. Non. Je vais directement aller acheter le Tontata, hein. Ça ira plus vite, je pense. Je pense qu'avec le Tontata, ça sera mieux. Tata, ça ira plus vite, je pense. Bâton ton tata, voilà, c'est écrit comme ça. Bâton ton tata. Ah, c'est niveau 40, ouais. Oh, bah, directement. Je pensais qu'il était 31, moi. Ouais, bah, du coup, voilà, je me suis planté. Donc, bah, on va partir pour la grid, du coup. C'est le mieux à notre level. Hein. Celle-là, 20 de sagesse. Je ne dis pas non. D'avoir un bon cac aussi. Voilà, 232 de sagesse. Allez, on continue, on continue. Maintenant, il me semble qu'il faut que j'aille à l'HDV des paysans, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça, HDV des paysans. Donc voilà, je monte. Je monte, je monte, je monte. Voilà, du coup, bah, je vais faire une pause ici le temps que je fasse toutes les cités et tout, et je reviens juste après. A tout à l'heure. Alors, tout le monde, voilà, ça y est, j'ai fini de visiter toutes les cités. Oui, il y a un paquet de succès. Voyez là, hop, hop, hop. Cité de la peur, combien? Vous êtes prêts? Allez, tout accepté. Je suis level 37. Voyez? What the fuck? Et oui, le what the fuck est autorisé là. Piqûre motivante, je le monte. Donc c'est niveau 48. Ouais, bah voilà, donc du coup je vais faire quelques pio comme tout à l'heure, et tout ça sera en accéléré. Hop, allez, c'est parti.